Chez BMW, pour 2015, le gros roadster à moteur boxer évolue. La R1200R nouvelle génération affirme sa personnalité sportive. On le voit tout d'abord au niveau du design, avec cet avant beaucoup plus plongeant qu'auparavant, sa poupe quelque peu relevée, ce pot un petit peu sportif, et puis plusieurs modifications radicales. Je vais vous expliquer lesquelles. Au cœur de cette R se trouve la dernière génération du flat BMW de 1170 cm3, un bicylindre à refroidissement mixte R et O, bon, qui a la particularité de développer une puissance de 125 chevaux, bon, c'est quand même 15 chevaux de plus qu'auparavant, ce qui au passage va permettre de pallier la hausse de poids de la machine de l'ordre de 8 kg. Ce moteur est un élément porteur de la partie cycle, une partie cycle qui a évolué également. On est passé de l'aluminium à l'acier avec un cadre tubulaire que BMW annonce plus rigide qu'auparavant. Et autre grosse modification, c'est à l'avant l'apparition de la fourche inversée qui remplace l'historique télélever BMW. En même temps, avec le gros radiateur qui va avec la nouvelle motorisation, il était difficile d'ancrer ce système de suspension. La position de conduite évolue également sensiblement. BM a voulu que le pilote soit un petit peu plus porté sur l'avant, donc, et un petit peu plus d'appui au niveau des poignets. Bon, on va aller vérifier tout ce potentiel, ce nouveau potentiel dynamique de la R12R sur les routes d'Espagne, dans la région d'Alicante. Je vous en parle juste après. Moi, ce que j'ai toujours apprécié sur la R12R, c'est son côté sage, mais son potentiel dynamique avéré. Et bien avec cette nouvelle version 2015, BMW a parfaitement réussi son coup. On gagne en polyvalence sur cette machine. Elle conserve tous ses atouts au niveau du confort. Elle est très accueillante pour un passager grâce à ses suspensions, mais également la souplesse de son moteur. Et à côté de ça, le bénéfice apporté par la nouvelle motorisation est certain. Elle gagne en couple, elle gagne en puissance. En même temps, on a un contrôle parfait avec la nouvelle position de conduite. Elle est plus dynamique qu'auparavant. C'est fort agréable. Bon, tout n'est pas si rose pour autant. La nouvelle R12R est une moto qui est plus longue qu'auparavant, qui est sensiblement plus lourde, et on le constate par rapport aux autres machines de sa catégorie. Du coup, certaines vigilances est de mise. Cela étant, on lui trouve vraiment une très bonne tenue de route, une très bonne stabilité, un toucher de route très agréable, l'avant est limpide. Bon, côté vivacité, il y a meilleur. En revanche, en termes de précision, elle est quand même assez bien faite à ce niveau-là. Bon, ses qualités dynamiques à la hausse, il faut les mettre quand même au compte de cette fourche inversée qui est quand même très bien. Certes, on plonge légèrement plus qu'auparavant qu'avec le télélever qui permettait de garder une assiette quasi constante. Cela étant, ça renforce l'aspect dynamique de cette machine. On apprécie également son freinage, c'est du costaud et c'est très facilement gérable. Au levier, on apprécie également la souplesse de l'embrayage. Côté tarif, la nouvelle R12R augmente de 200 € par rapport au précédent modèle, ce qui la place à 13 400 €. Bon, quand on songe que la BMW S1000R, le roadster sportif 4 cylindres, est affiché 150 € de moins, et ben pour qui voudrait un roadster sportif, le choix de la radicalité se fait assez facilement. En revanche, la S1000R est beaucoup moins polyvalente que cette R12R. La nouvelle R12R sera disponible en 3 coloris, ce coloris très sportif blanc et rouge avec le cadre rouge, un coloris bleu et un coloris noir plus classique. Et puis bon, vous en avez l'habitude, pour tout connaître, tous les détails de notre essai, je vous invite à nous retrouver sur motostation.com et je vous dis à très bientôt.